Ah ben, c'est parti, je vous prête mon micro. Je vous le donne pas, hein. Vous vous enfuyez pas avec. Hein. D'accord. Voilà, moi je vois plein de belles choses ici, plein de belles créations. Dites-moi un petit peu alors déjà qui vous êtes et qu'est-ce qui vous inspire dans vos créations pour faire alors, ces créations. De mon côté, moi c'est Jeanne Ménard, je suis illustratrice depuis un an et demi maintenant. D'accord. Et je suis autant inspirée de faire des choses mignonnes que des choses de dark fantasy. Et souvent j'aime bien allier les deux. Donc du coup voilà, on peut autant voir des créations avec des chevaliers, des choses un peu plus sombres que des petits animaux tout mimi comme des renards, des loutres. Et sur le côté animal, j'aime beaucoup représenter et expliquer. J'aimerais bien avoir en fait une notion sur l'écologie, sur l'environnement, sur par exemple j'ai une illustration où on voit tout ce dont se nourrit l'animal et c'est illustré d'une certaine manière où l'animal est en train de voler, il y a un poisson par exemple qui virevolte à côté et justement l'ours se nourrit de poisson par exemple, ce genre de choses. Donc, j'aime bien avoir cet effet là aussi. Et justement pour mon diplôme par exemple j'ai fait un livre jeunesse sur l'écologie et les animaux. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui me passionne beaucoup à représenter dans le domaine de l'illustration. Donc, voilà. D'accord. Et je souhaite à terme justement publier un livre jeunesse sur les animaux et l'écologie. Voilà. D'accord. Tout se connecte. Bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Voilà. C'est super gentil. Non, c'est bien de mettre de l'écologie et voilà tout ce qui est autour de l'animal, quoi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les animaux ont tendance à de plus en plus disparaître de par notre activité humaine. C'est ça, exactement. Et c'est une façon pour vous aussi de dire attention, il y a un grand danger aujourd'hui. Quoi. Et pareil, si jamais j'ai moyen de travailler avec une ONG, ce serait incroyable parce que je suis beaucoup autant la LPO en France que d'autres organisations qui se trouvent en Afrique, par exemple pour la préservation des rhinocéros, voilà. Choses comme ça. La LPO, la Ligue des protections des oiseaux. Hein. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, éventuellement. C'est ça. Parfait. Mais merci de nous éclairer sur vos créations et sur qui vous êtes. Je souhaite une bonne fin de convention, bientôt la fin. C'est un vrai marathon. Hein. Un peu, oui. Ouais, hein. On est fatigué à la fin. Ouais, j'imagine, mais je crois que c'est le cas de tout le monde. Voilà. C'est ça. Merci pour votre accueil et puis peut-être à bientôt. Peut-être à bientôt, c'est ça. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir. Jeanne Ménard, artiste illustratrice. Salut.